Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de visiter différents lieux dits en une seule partie. Donc les lieux dits c'est tout simplement les noms des villes que vous voyez, donc par exemple l'état-major c'est un lieu dit, Logjam, Shifty Shaft, Sleepy, tous les lieux écrits sur la map, ça c'est des lieux dits. Donc ce que vous allez devoir faire c'est visiter 5 lieux dits en une seule partie. Donc moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi c'est de vous diriger à l'état-major enfoui. Donc juste ici, et vous allez utiliser en fait les canons pour vous propulser en fait, et pour vous déplacer plus vite, pour réaliser le défi plus facilement. Donc regardez le canon là, le canon à siège, vous allez l'utiliser, donc là vous atterrissez à l'état-major, donc ça fait déjà un lieu dit en début de partie directement, vous atterrissez ici. Ensuite vous prenez le canon de l'état-major, et là vous allez pinguer la forteresse. Donc vous, la forteresse, donc vous visez la forteresse, ensuite... dans le canon, il faut viser avec L1, puis ensuite tirer avec R1. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous allez vers la forteresse, et là, regardez, il y a un autre canon. Donc, je vais peut-être juste mal tomber. Non, c'est bon, ça passe. Juste que j'arrive à remonter. Donc, essayez de tirer un petit peu plus haut que moi j'ai fait dans le gameplay, parce que sinon, vous atterrissez un peu trop bas. Donc, ça, c'est le deuxième lieu dit visiter. Voilà, ensuite, vous visez Tilted Tower. Donc, hop. Vous maintenez visé avec votre canon. Ensuite, vous tirez pour vous propulser. Et vous allez vers Tilted Tower. Donc moi, je vous conseille quand même d'aller un peu plus sur la gauche. Voire même viser le canon là-bas. Mais c'est pas grave, si vous visez un peu trop bas, ben, vous allez vous servir du canon qui est juste là. Donc hop, vous allez sur le deuxième canon. Donc là, ça fait déjà 3 lieux dits visités en même pas quelques secondes. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est viser ici plus ou moins. Il y a un canon... qui est un petit peu plus loin, vous visez, vous tirez, et vous allez chercher le canon qui est juste là-bas, regardez. Donc j'aurais peut-être même dû tirer un peu plus haut, pour atterrir sur le canon un peu plus facilement. Mais bon, c'est pas grave, ça passe, hop, vous montez, vous allez sur le canon qui est juste là, regardez, juste ici. Hop, vous le prenez, et là vous allez vous diriger au sanctuaire. Vous pinguez le sanctuaire, vous visez le sanctuaire, vous tirez assez haut. Comme ceci. Et là, vous ouvrez votre parachute le plus haut possible. Regardez, là, il y a un planeur. Enfin, il y a un autre canon. Et ce que vous allez faire, c'est le réutiliser pour voyager encore une autre fois plus rapidement. Mais là, ce que vous allez faire, parce que je ne sais pas que si vous arrivez, si vous atterrissez ici, je ne sais pas si ça va faire en sorte que ça va valider le lieu dit du sanctuaire. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez le petit véhicule qui est là. Vous allez vite fait... jusqu'au sanctuaire pour être sûr de bien valider l'emplacement. De toute façon, quand vous vous approchez du sanctuaire, normalement, vous aurez une indication qui vous dit que ça valide le quatrième emplacement. Voilà, vous allez jusqu'au sanctuaire. Quand l'emplacement est validé, ben vous faites demi-tour et vous retournez vers le dernier canon qui était juste là. Et là, vous allez utiliser ce dernier canon pour vous diriger vers Koné Crossworld. Donc, ça veut dire qu'en quelques minutes... en 2-3 minutes, ben, vous aurez terminé le défi. Hop, je vais près du canon. Alors très important pour ce canon-là, je ne sais pas pourquoi, mais il faut détruire cette rampe ou sinon ça va vous envoyer totalement à gauche. En fait, ça va pas vous envoyer où vous allez viser, ça va faire foirer votre dégagement. Donc ce que vous faites là maintenant, c'est que vous visez Koné Crossworld, vous pinguez, vous visez, vous tirez. Et là, regardez, comme j'ai détruit la rampe, ça m'envoie directement tout droit. Sinon, ben, je sais pas pourquoi ça bug et ça vous envoie sur le côté. Donc, cassez bien la petite rampe qui est en face du canon pour pas être propulsé sur le côté. Et là, dès que vous allez arriver à Koné Crossworld, ben là, vous aurez visité 5 lieux dits en une seule partie. Donc, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwakulMec et ciao. Peace.
Mais...